Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans Matthieu chapitre 4. On va lire du verset 5 au verset 7 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans Matthieu chapitre 4, verset 5 au verset 7. On voit qu'on entre, je dirais, ou qu'on va lire en plein milieu d'une situation où le diable a amené notre Seigneur dans le désert pour être tenté. On sait que le diable l'a tenté par trois reprises différentes. Et là où nous allons lire, c'est la deuxième tentation, si on pourrait l'appeler comme ça. La Bible nous dit, « Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc le diable ici lui cite une portion de ce que David avait écrit dans un des psaumes, disant au Seigneur, « Tu n'as rien à craindre, il est écrit ça, donc tu peux le faire. » Et la réponse du Seigneur, frères et sœurs, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » On va arrêter là. L'Esprit m'a amené une question et j'ai dit « Ok, je sais ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. » C'est quoi tenter Dieu, frères et sœurs? Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. On a, je dirais, des idées préconçues qui nous ont été transmises sur c'est quoi tenter Dieu. L'Esprit veut rectifier ce matin et nous montrer vraiment c'est quoi tenter Dieu. Donc, la réponse du Seigneur, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donnez un exemple. Avant de donner l'exemple, je vais donner la définition. Parce que quand je me suis mis à chercher selon le dictionnaire, c'est quoi tenter Dieu? J'ai eu de la misère. Parce que le dictionnaire donne juste la définition du mot par rapport à être humain. Donc, porter un désir, amener à un désir, etc. Là, je me disais, non, ça ne colle pas, ça ne s'applique pas à Dieu. On ne peut pas coller ça à Dieu, ce genre de définition-là. Donc, je suis allé chercher dans le mot grec. Et le mot grec utilisé ici pour tenter est ekperazo, qui veut dire tester, tester complètement. C'est ce qui était écrit ici. Autrement dit, tu ne testeras pas le Seigneur ton Dieu. On pourrait définir ça comme ça. Un bon exemple de cela. Un jour, le Seigneur a dit ceci. Il y en a qu'on sait que dans la dernière semaine, on sait que le Seigneur il a été testé de tous bords, tous côtés, par différents groupes de personnes. Et on voit que les pharisiens ont envoyé les Hérodiens vers le Seigneur pour lui demander, devons-nous payer le tribut à César ou ne pas le payer? Donc, regardons ce que fait juste écouter et notons ce que le Seigneur leur a dit. Donc, il est dit, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu nous enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. » Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Il flattait sur le bon bord avant de commencer à y amener la chose. Il flattait dans le sens du poil, comme on dit en bon québécois. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Pourquoi me testez-vous, en d'autres mots? Pourquoi me testez-vous de la sorte? Donc, voyons-nous, ça se clarifie un peu. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 22. J'ai lu le verset 17 et le verset 18. Donc, la question, frères et sœurs, on va amener une question et ensuite on va développer. Qu'est-ce qui faisait que Jésus a répondu ça à Satan? Est-ce que c'était simplement le fait que la vie de Jésus est en danger, étant sur le haut du temple, et que Satan disait « Jette-toi en bas, mets ta vie en péril », autrement dit? Est-ce que c'était uniquement sur ce fait-là que Jésus a répondu ça à Satan, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Est-ce que c'était uniquement à cause de ça? C'est une bonne question à se poser, frères et sœurs. Parce qu'il est venu un raisonnement humain avec le temps à propos de ça, et le raisonnement humain va comme suit, c'est que les hommes ont développé le raisonnement que si tu mettais ta vie en danger, pour peu importe les raisons, que ce soit pour Dieu ou pas pour Dieu, peu importe les raisons, dès que tu mettais ta vie, entre guillemets, en danger,
automatiquement, tu tentes Dieu. Et donc, tu ne dois pas faire ça, parce que sinon, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est la logique que les gens ont développée à propos de ce verset-là spécifique. Et cette logique-là s'est véhiculée avec le temps. Mais est-elle vraie, frères et sœurs? Est-ce que c'est vraiment ça, tenter Dieu? Ou s'il n'y a pas quelque chose de plus profond en arrière de ça? On va développer. Tournons dans l'Exode. Il faut aller chercher un peu dans l'Ancien Testament pour englober le tout, envelopper le tout. Dans l'Exode chapitre 17, on va aller lire une situation et on va poursuivre comme ça. Dans l'Exode chapitre 17. On va voir une autre branche du mot tenter, un autre mot grec, mais vous allez voir que ça s'attribue. On pourrait dire que ça s'associe un peu avec le premier. Donc, le premier mot qu'on a vu ou qu'on a lu à propos du Seigneur, ekperazo, qui veut dire tester quelqu'un, tester complètement quelqu'un. On va voir ici un autre mot. On va voir la situation. On va lire du verset 1 au verset 7. On va lire la situation. Donc, il est écrit. Là, on sait que le peuple a commencé sa marche dans le désert. Hein? Je vous mets en situation, là. Donc, toute l'assemblée des enfants d'Israël, si on commence au verset 1 du chapitre 17, Exode, chapitre 17, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Et Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était pressé par la soif. Il murmurait contre Moïse, disant, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Donc, on peut voir à quel point que la situation est en train de devenir très tendue. Donc, l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, et il s'en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Meriba, qui veut dire tentation et querelle, par rapport à ils tentèrent Dieu, tentation et querelle, Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou il n'y est pas? Le mot ici utilisé est intéressant. Le mot tenter ici qui est utilisé, c'est le mot nasa. Nasa qui veut dire essayer, éprouver. Un peu comme un objet. Si j'essaie un objet pour voir la durabilité de la chose en question, je le teste, hein, d'une certaine façon. Donc, on voit ici le mot nasa est utilisé, mais voyez-vous que ça s'associe un peu avec le premier mot qu'on a vu. C'est comme juste un petit peu une branche, mais bien proche. Donc, ça veut dire éprouver. Donc, qu'est-ce que le peuple a fait ici? Ils ont éprouvé Dieu. Ils ont testé Dieu, en d'autres mots. L'ont provoqué. L'ont poussé à agir. Mais on voit qu'ils n'ont pas mis leur vie en péril pour autant. Mais ils l'ont quand même testé. Comment l'ont-ils testé? Ils l'ont testé en murmurant. Ils l'ont testé en se disant, Dieu est-il vraiment là? Ou il n'y est pas. Malgré tout ce qu'ils avaient vu de Dieu auparavant, ils ont amené ça. Et ça, ça l'a amené qu'ils ont tenté Dieu. On voit que, faites juste écouter dans un psaume, faites juste écouter, on va avoir un petit peu de lecture ce matin pour bien comprendre le tout. Il est dit ceci dans un psaume à propos de cette situation spécifique-là. Il est dit, « N'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba. » Là, la situation dont on vient de lire. « Comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent. » Donc, voyez-vous que la définition du mot suit le mot. « M'éprouvèrent, quoi qu'ils aient vu, mes œuvres, est-il dit. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. » Et là, le Seigneur vide un peu son cœur, je dirais, à travers de ce psaume. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Parce qu'on va voir qu'ils ont fait ça souvent.
Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 95, j'ai lu verset 8 au verset 10. Hein? « Où le peuple me tentèrent, disait Dieu, ils m'éprouvèrent dans le désert, quoi qu'ils aient vu mes œuvres. » Tournons dans le psaume 78, allons voir, on va développer encore un peu. Dans le psaume 78, j'aime bien ce psaume parce qu'il résume un peu la marche du peuple dans le désert. On va voir, il va énumérer différentes situations dans ce même psaume. Donc, on n'ira pas vraiment tout étudier chaque situation parce qu'on n'en finirait plus. On va aller chercher le principal dans le psaume 78. Psaume 78, je vais vous amener à certaines portions, on n'ira pas tout le psaume. On va commencer au verset 13, premièrement. Du psaume 78. On va commencer au verset 13 jusqu'au verset 21. Donc, il est dit dans le psaume 78, à partir du verset 13, il est dit, il, en parlant de Dieu, hein, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Là, ayant en tête ce qu'on vient de lire dans l'Exode. Là. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Et ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture. Là, voyez-vous, on parle d'une autre situation. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu et ils dirent, Dieu pourrait-il? Là, on peut voir à travers de cette question-là, éprouver quelqu'un, hein, le tester. Est-ce qu'il peut faire ça? Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain à son peuple? Donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. On va sauter maintenant au verset 40. Sautons au verset 40 jusqu'au verset 43. Toujours du même chapitre. On reste toujours dans le même chapitre. Au verset 40, il est dit « Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. » Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Si on continue, ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Sautons au verset 55. Là, c'est le dernier endroit qu'on va lire là. Verset 55 jusqu'au verset 59, encore dans le même chapitre. On voit qu'il est dit au verset 55, « Il chassa devant eux les nations, il leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut et se révoltèrent contre lui et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père, ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et fut irrité et il repoussa fortement Israël. » On va arrêter là. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, ici, dans ce qu'on vient de lire, à toutes les fois, ça nous résume bien des situations qui sont survenues dans le désert, et à toutes les fois, il est toujours dit qu'ils ont tenté Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont toujours testé, ils l'ont toujours mis à l'épreuve. Ils ont remis en doute sa présence, ils ont remis en doute sa puissance, ils ont remis en doute ses capacités, remis en doute son amour pour eux, etc., etc. Et parfois, ils amenaient même, comme il est écrit, qu'on a lu dans l'Exode, « Dieu est-il vraiment là ou il n'y est pas? » Quoi qu'ils aient vu toutes ses œuvres dans le passé, quoi qu'ils aient vu la mer rouge s'ouvrir devant eux, qu'ils ont été délivrés des plaies, de certaines plaies, etc., ils ont vu beaucoup de choses. Mais il en emmenait quand même à remettre en question Dieu, à douter de lui, et ça l'équivalait à le tenter. Ça l'équivalait à le tenter. De sorte que, je vais juste vous lire un autre endroit avant qu'on enchaîne. «
J'essaie toujours d'avoir le bon endroit. Ouais. De sorte qu'il est dit, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, et tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le Nombre, chapitre 14, j'ai lu le verset 22 et le verset 23. Donc, voyez-vous, Dieu parle encore de tentation. Il dit, ils m'ont déjà tenté 10 fois, puis il dit, à cause de ça, ils m'ont méprisé. Ils m'ont regardé comme peu de choses. Ils ne m'ont pas regardé avec toute la grandeur et la gloire que j'ai. Ils m'ont regardé comme peu de choses, parce que c'est ça que ça veut dire mépriser. Il dit, ils n'entreront pas dans mon pays à cause de ça. Donc, frères et sœurs, quand on repense à la situation dans Matthieu, qu'on a lu à propos du Seigneur, ou qu'on a vraiment, on a englobé un peu le sens, le terme de la tentation, pensons-nous, frères et sœurs, que c'est uniquement parce que Jésus se tenait du haut du temple et que sa vie est en danger qu'il a cité ces paroles-là à Satan? Non. Quelle est la première raison pour laquelle Jésus a cité ces paroles-là à Satan? Parce que Satan faisait la même chose que le peuple a fait dans le désert. Par ses paroles, Satan remettait en doute la filiation de Jésus avec Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Il remettait en doute la filiation de Jésus avec Dieu. Remettait en doute la parole de Dieu. Il est écrit ça, donc fais-le. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais-le. Donc, remettre en doute Dieu, ses capacités, sa puissance, etc. C'est premièrement ça, frères et sœurs, de tenter Dieu. Parce qu'en faisant ça, tu le testes, tu l'éprouves. C'est un peu si tu le provoquais de dire, « Ah oui, montre-moi les si tu es capable. » Ça, c'est tenter Dieu, premièrement. C'était premièrement ça, frères et sœurs, d'éprouver Dieu. Si on continue le raisonnement, on va le décortiquer complètement pour bien le comprendre. Est-ce que mettre sa vie en péril, pour peu importe les raisons, est de tenter Dieu? On a vu premièrement, c'est quoi vraiment tenter Dieu? C'est de le remettre en doute d'une façon ou d'une autre. C'est de vouloir le tester. On voit qu'il y a une mentalité en arrière de ça. Et il y a quelque chose de malsain en arrière de ça. Mais est-ce que c'est nécessairement de mettre sa vie en danger? On va aller voir une situation et vous allez voir que là, il y a des choses dans la parole qui remettraient en question cette logique-là. Tournons dans Daniel chapitre 3. Dans Daniel, chapitre 3. On va avoir une situation et on va voir si ça remet en question ou pas la, ce qu'on pense, ce que les hommes pensent. On va, et là, je vous amène encore dans plein milieu d'une situation, donc on va simplement lire le principal. Je vais vous résumer rapidement. On se retrouve où Nabuchodonosor a fait élever une statue en son honneur et que là, il a commandé à tous de l'adorer et qu'il y a trois courageux Hébreux qui ont refusé de l'adorer et que là, il leur a été menacé de les jeter dans la fournaise ardente s'ils ne le faisaient pas. Donc, on voit que au verset 16 de Daniel, chapitre 3, Shadrach, Meshach, et Abednego répliquèrent à Nabuchodonosor, parce qu'il leur a dit, « Adorez-moi et vous serez sauvés. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. » On voit qu'ensuite, le roi il a chauffé la fournaise 7 fois plus, connaissez l'histoire. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 22? « Comme l'ordre du roi était sévère, que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nabuchodonosor fut effrayé, se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Et il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e semble à celle d'un fils des dieux. » Et ensuite,
Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et, prenant la parole, dit à Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, « Sortez, venez! » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. On va arrêter là. Ces trois hommes, frères et sœurs, ont-ils tenté Dieu en mettant leur vie en péril? On peut se poser la question, puisque les hommes pensent que si tu mets ta vie en péril, automatiquement tu tentes Dieu. Est-ce qu'ils ont tenté Dieu parce que Dieu a fallu qu'il envoie son ange pour les délivrer? Ont-ils tenté Dieu? Que dire, frères et sœurs, de Daniel lorsqu'il a refusé de prier le roi Darius? Et que nous savons que là, à ce moment-là, il s'est fait prendre parce qu'il a continué à prier comme d'habitude son Dieu. Et que là, la peine était la mort, il savait, il l'a fait quand même. Et là, il a été jeté dans la fosse aux lions. A-t-il tenté Dieu en continuant à prier son Dieu? Il a mis sa vie en danger. Donc voyons-nous, frères et sœurs, que là, il faut réviser. Parce qu'il y a quelque chose qui ne se tient pas dans la logique des hommes. Il y a quelque chose qui ne se tient pas. Certainement qu'il y en a qui pourraient dire « Oui, mais il le fait pour Dieu, donc ça compte pas. » Il le fait parce qu'il le fait pour la gloire de Dieu, donc automatiquement, on pourrait dire que ça compte pas. C'est comme un peu biaisé, un peu la réponse. Oui et non, frères et sœurs, oui et non. Tournons dans le psaume 18. On retourne dans le psaume, mais chapitre 18 cette fois-ci. On va voir ce que David nous dit. Psaume 18, on va lire le verset 30 et le verset 31. Psaume 18, verset 30 et verset 31. David dit, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. » Sautons au verset 38. Verset 38 du même chapitre. David dit, « Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je les brise, ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sur moi mes adversaires. » On va arrêter là. Quand David dit, « Je me précipite sur une troupe en armes, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes », est-ce qu'il tente Dieu en faisant ça? Parce que là, je vous détrompe, il ne le fait pas pour Dieu. Là. Il le fait pour son royaume. Il l'a fait pour le peuple d'Israël. Il l'a fait pour conquérir ses ennemis et garder le peuple en sécurité. Il ne l'a pas fait directement. C'est sûr que par biais, Dieu en bénéficie. Mais il ne l'a pas fait directement pour Dieu. A-t-il tenté Dieu quand il dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes » Parce que ce n'est pas juste imagé, ça. Là. David l'a vraiment fait. Ce n'est pas juste une image. Là. Quand David dit ailleurs, écoutons toujours, David dit à un autre endroit. Et certains vont le reconnaître. Quand David dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes, sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. » Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Psaume 91, j'ai lu du verset 5 au verset 8. Ça veut dire que David, il y a eu des situations où il a dû faire face à la maladie, pas rien qu'à la guerre, puis il a été quand même. Puis il dit... Avec toi, il dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, moi, je ne serais pas atteint. Est-ce qu'il a tenté Dieu en se mettant dans ces situations-là? Donc, voyez-vous, frères et sœurs, il faut développer. Il faut comprendre quelque chose. Si, frères et sœurs, ce que nous faisons est pour le bien et pour la gloire de Dieu, pour le bien, pour la gloire de Dieu, et que nous croyons que Dieu nous protégera, qu'il est avec nous. Ce n'est pas de le tenter, frères et sœurs, que de faire ça. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi.
Bien sûr que de se mettre en danger pour une situation insensée qui n'amène absolument à rien, c'est de provoquer Dieu. Je ne suis pas en train de dire le contraire non plus. Donc, voyez-vous, on parle de discernement ici. Selon moi, un alpiniste qui va faire de l'escalade sans corde sur une pente comme ça, avec deux pics, ça, c'est de tenter Dieu. Ça n'apportera absolument rien, c'est complètement stupide, parce que s'il manque un seul mouvement, il tombe en bas, puis c'est fini. Ça, c'est tenter Dieu. Ça, c'est stupide. De murmurer contre Dieu, de remettre en doute sa puissance, de remettre en doute sa présence, ça, c'est tenter Dieu. Parce que tu le testes, tu l'éprouves à travers ton incrédulité. Ça, c'est tenter Dieu. Mais ça, on y pense pas. On y pense pas. Ça, c'est tenter Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, il était dit aussi ceci dans l'Ancien Testament, faites juste écouter, il était dit aussi ceci « Vous ne tenterez point l'Éternel, est-il dit dans le Deutéronome, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. » On revient toujours à la première situation qu'on a lue dans l'Exode. Mais, donc voyez-vous, là, il y a comme l'inverse. C'est quoi l'inverse? « Vous ne tenterez point l'Éternel comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances, ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit, ce qui est bien. » aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Dans Deutéronome, chapitre 6, j'ai lu le verset 17 et le verset 18. Donc, c'est quoi l'inverse de tenter Dieu? C'est de faire sa volonté et d'avoir la foi, de faire ce qui est bien et bon. Ça, ce n'est pas tenter Dieu. Ça, c'est d'avoir foi en Dieu. Mais voyez-vous, parfois, on peut... Les deux sont peut-être proches dans certaines situations et on va pencher pour penser que de tenter Dieu, c'est d'avoir la foi et d'avoir la foi, c'est de tenter. Voyez-vous qu'il faut démêler tout ça. Il faut démêler tout ça. On va conclure avec une autre chose, un deuxième raisonnement qui a découlé de la situation que notre Seigneur a vécue, un deuxième raisonnement d'homme qui a découlé de ça. Lui aussi, on va le réviser. Deuxième raisonnement va comme suit. Les hommes ont également pensé que de demander à Dieu un miracle ou une chose spéciale sans nécessité de notre part, sans que ce soit nécessaire, en d'autres mots, c'est de tenter Dieu. Il y en a qui ont également pensé ça. Si tu demandes à Dieu quelque chose qui n'est pas nécessaire à ta vie, tu tentes Dieu. Il y en a qui ont également été jusqu'à penser ça. Est-ce que ça se tient, ça, ce raisonnement-là? Pour conclure, mais on va quand même développer ça dans Ésaïe chapitre 7. Là, on s'en va vers la conclusion, on développe la conclusion. Deuxième raisonnement, Ésaïe chapitre 7, on va aller voir ça. Est-ce que de demander quelque chose à Dieu qui n'est pas nécessaire, c'est de tenter Dieu? Là, on tombe ici dans une situation avec le roi Achab. Dieu envoie une promesse par son prophète Ésaïe au roi Achab. Et il y a deux ennemis qui en veulent au royaume du roi, qui veulent le détruire. Il y a Israël d'une part, parce que vous savez qu'à ce moment-là, qu'on lit Israël puis Juda sont séparés. Il y a la Syrie qui veut s'allier avec Israël et les deux ensemble, c'est pas le temps de sortir dehors en passant. Il y a la Syrie et Israël qui veulent s'allier ensemble contre Juda, qui veulent conquérir ce royaume, et c'est Achab qui en est le roi. Et Dieu aime assez son peuple, même si le roi, on sait ce qu'il est, qui envoie son prophète Ésaïe parler au roi et lui dire « Ne crains pas ces deux royaumes, ne les crains pas, ne les crains pas. » Et là, excusez-moi, ensuite, on voit que... Il est dit, à partir du verset 10 d'Ésaïe, chapitre 7, « L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. »
Achaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Et Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? » Voyez-vous qu'Achaz a le même raisonnement que certains hommes ont encore aujourd'hui. Il a été offert de demander quelque chose à Dieu pour vraiment, comment je pourrais dire, pour mettre un saut un peu à la promesse que Dieu faisait. Et Achaz, il a dit, non, je ne demanderai pas parce que je ne veux pas tenter Dieu en lui demandant quelque chose. Donc, frère, ça nous amène à se poser la question. Est-ce que de demander à quelque chose à Dieu qui n'est pas nécessaire, c'est de le tenter? Est-ce que Gédéon a tenté Dieu lorsque... Dieu est venu par son ange, puis il lui a certifié, il dit « C'est toi que je choisis pour délivrer mon peuple. » Puis que là, Gédéon, il dit « Si c'est toi, si c'est moi vraiment que tu choisis, là, est-ce que tu pourrais faire que la toison que je vais mettre là, assez sec, puis le restant s'est mouillé, puis inversement? » Est-ce que Gédéon a tenté Dieu lorsqu'il a demandé ça à Dieu? Parce que, veux pas, il faut rentrer dans la logique, il faut se poser la question. Quand Malachi a dit, dans une situation... par la bouche de Dieu. « Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si j'ouvrirai pas les écluses des cieux. » Est-ce que Dieu disait « Tentez-moi, éprouvez-moi » dans le sens où qu'on l'a vu, bien sûr. Non, Dieu ne demandait pas de le tenter en le mettant à l'épreuve dans le bon sens. Non. Quand Jésus nous a dit « Demandez, vous recevrez. » « Cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, et etc. » Est-ce que Jésus insinuait qu'on devait tenter Dieu en lui demandant des choses? Parce que Jésus n'a pas mis une exception, là. Il n'a pas des petits caractères en bas de ligne qui disaient « à moins que ce ne soit nécessaire ». Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas des petits caractères en bas de ligne, là, des fois, non. Demandez, vous recevrez, tout simplement. Donc, est-ce que c'était tenter Dieu que de dire ça? Absolument pas. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons comprendre premièrement? Et on conclut complètement là-dessus. Faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, même si cela met notre vie en danger, jusqu'à un certain point, met notre vie en danger. Est-ce que c'est de tenter Dieu que de faire sa volonté, même si notre vie serait en danger? Non, ça c'est la foi. Tu crois que Dieu est là avec toi? Tu crois que Dieu va te délivrer? Ou tu crois que Dieu va être avec toi pour t'accompagner là-dedans? Ce n'est pas de tenter Dieu que d'avoir la foi en Dieu. Sinon, Hébreux 11, il y en a bien qui l'auraient tenté. Quand la Bible nous dit qu'il y en a qui ont, par la foi, ils ont vaincu des guerres, ils ont fait des affaires vraiment dangereuses, ils ont mis leur vie en danger. Et la Bible nous dit que c'est par la foi qu'ils l'ont fait. Donc, voyez-vous que ça ne colle pas. N'oublions pas, frères et sœurs, que de tenter Dieu, ce n'est pas nécessairement parce qu'on met notre vie en danger pour faire le bien ou pour lui. Ce n'est pas ça, tenter Dieu, frères et sœurs. Tenter Dieu, premièrement, c'est de douter de sa personne et de tout ce qu'il est. Par le murmure, par toutes sortes de raisons. Ça, premièrement, c'est ça, tenter Dieu. Ce qu'on ne pense pas nécessairement. Bien sûr que de faire une situation hasardeuse qui est complètement inutile et insensée, oui, peut équivaloir par la bande à tenter Dieu, bien sûr. Mais souvenons-nous premièrement, c'est quoi tenter Dieu? Et souvenons-nous premièrement, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Parce que parfois, on peut confondre les deux. Souvenons-nous que de demander quelque chose à Dieu n'est pas de le tenter non plus. Parce que sinon, il y en a beaucoup qui l'auraient tenté à travers la parole. Ils ne l'ont pas tenté. Il y a toujours une question de mentalité en arrière. Ceux qui ont demandé à Dieu des signes et des miracles là, parmi les pharisiens, là, pourquoi ont-ils tenté Dieu, eux, contrairement à un autre? C'était l'idée qui était en arrière. L'idée en arrière était de remettre en doute sa personne. C'était toujours de remettre en doute ses capacités, de remettre en doute sa personne. Mais ceux qui demandent à Dieu parce qu'ils croient que Dieu peut les exaucer, puis ils croient qu'il est là pour eux, ils tentent pas Dieu, eux autres. Ils ont la foi en Dieu, par exemple. Donc, voyez-vous, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait un peu
voulait remettre en question cette logique que les hommes se sont bâtis au fil du temps qui a été véhiculée à propos de la situation que notre Seigneur a vécue. Comprenons c'est quoi vraiment tenter Dieu, frères et sœurs, et comprenons vraiment c'est quoi avoir foi en Dieu. Et frères et sœurs, nous transporterons des montagnes. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.